Bonjour à tout le monde, la communauté Abdrahim, formateur en gestion, Inch'Allah, nous avons une prévision de Tihanas. Donc, on a l'exercice, donc, c'est la comptabilité générale. On a l'exercice sur le bureau. Donc, E1-1-2019, l'entreprise Azaïda SA a réalisé les opérations suivantes. Donc, on a un capital à déterminer, on a un chiffre, l'emploi, l'établissement de crédit d'agrément SLDM. Dépôt et caution numéro 6000 RDM, mobilier 2000 RDM, entrée informatique 4000 RDM, fonds commercial 4000 RDM, dépôt et caution numéro versé 4000 RDM, titre de participation 4000 RDM, frais de constitution 4000 RDM, dette sur acquisition de l'immobilisation à 20 RDM, fournisseur 4000 RDM, créance client 4000 RDM, marchandises en stock 4000 RDM, TVP 4000 RDM, la caisse 4000 RDM, la banque 1000 RDM. Donc, dossier 1, établir le bilan. Donc, on a vu une vidéo de madame le bilan. Vidéo prochaine, on a le CPS. Donc, que ça établit le bilan. On a le bilan sous forme, par tableau. On fait une petite somme de juge. On a actif et passif. Donc, on a actif. Donc, on a le nombre de montant. On a passif. Mais bon. Bilan liquide courant, c'est comme les 5 classes. On a fait ça dire les classes. On a une classe sur l'article de l'institution. Financement. Permanent. On a mis ça. Classe 2, qui coffre le côté de la Smito, juge. Actif. Immobilisé. Classe 3. On a actif. Circulant hors trésorerie. On est en classe 4, passif. Circulant hors trésorerie. Ou classe 5, qui connaît la classe 5, qui connaît la smicho, trésorerie, comme ça. Qui connaît la deuxième smicho, trésorerie, actif. Trésorerie. Maintenant, actif, paf, actif. On est en 5, actionné, smicho, trésorerie. Passif. Alors, quand on a un il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 5. Donc, on a un peu de données. Donc, on a un peu de temps. Capital. Capital, on a un peu de temps. Pour financer le projet. Donc, si on a un financement projet, on a un capital. Donc, capital, automatiquement, il confère le côté. Il y a un financement permanent. C'est un capital, on a un peu de temps. On a emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, le capital manque de chèque, puis banque, etc. Il faut que quelqu'un de l'emprunt à lire. Donc, l'emprunt automatiquement, on a l'emprunt. L'emprunt auprès des établissements de crédit. Je vais attendre l'emprunt à venir sur FDF. Mon emprunt, 12 là. On a dépôt et cautionnement reçu. C'est un peu comme ça, qui est ici, à ta d'avant, à dépôt. Donc, dépôt et caution pour aussi, quel est le grain? Dépôt, caution, reçu. Ça, dépôt et caution pour aussi, c'est un LD. Donc, il dit les autres. Ben, d'ailleurs, mobilier bureau. Donc, mobilier bureau, Jesus. Donc, Jesus qui est là, pour actif immobilier. Donc, on parle de l'autre, donc, on donne maintenant actif en non-valeur, en deux heures actif incorporé, ben, deux heures. Immobilisation en non-valeur, immobilisation en corporelle, disons immobilisation corporelle. Donc, le seul mobilier bien, la neuf, immobilisation corporelle. Maintenant, je vais te jusqu'à l'outil, ça veut dire qu'il y a une immobilisation en non-valeur, immobilisation en corporelle. Donc, il y a un mobilier bien, maintenant, je vais te suivre. Mobilier bien. Ça, il y a un mobilier bien, c'est un F. Ben là, le matériel informatique, c'est que trop l'air, matériel informatique. C'est le matériel informatique, elle a 13F. Bon, le matériel informatique, elle a fonds commercial, c'est une immobilisation incorporée. Après, il y a fonds commercial, il y a un plafond. Elle dit que c'est le tisseur, c'est un fonds commercial, elle a même touch. Fonds commercial, elle a 13F. Mon fonds commercial, dépôt et cautionnement versé. Donc, dépôt et cautionnement versé, on va faire un acquéreur à tes damas. On va faire un acquéreur à tes damas. On va faire un acquéreur à tes damas.
falando que sobre essa depo, chamando de fungite, depo e caution versé, voilà, on a le depo caution reçu, on a ce bas versé à ma tête, donc depo caution versé, tout le titre est là, il y a un titre de participation, c'est une immunisation financière, financière, titre de participation, c'est une immunisation. Participation. Donc ça veut dire action, titre participation, c'est un F. Bon, le titre de participation à la fin de constitution, ça reste donc immunisation A. On en valeur, le frais de constitution. Bon, c'est frais de constitution à la fin de F. Immunisation, on en valeur. بعد دات سيغ اكيزيسيون دي موبيزاسيون شريت ايموبيزاسيون ولكن نخلصو واحد او ثلاث شهور على باش المده اللي نخلص فيها قانونا دونك اون فوا كنشري بالكريدي ايموبيزاسيون بالكريدي ونخلصو في مده اقل من عام كتكون دات سيغ اكيزيسيون في كار ديال سيغ اكيزيسيون دي ايموبيزاسيون انا دات سيغ اكيزيسيون دي ايموبيزاسيون امين اف Alors, on a dit ça, tu marques ce que tu veux, le compte comme dette sur acquisition des immunisations, classe 4. Mais là, on a fournisseur. Donc, fournisseur, c'est une dette, c'est un fournisseur, on a classe 4. Ça, on a fournisseur, on a 36F. Mon fournisseur, on a client-client. Client qui connaît, client. Client. On va avoir client qui connaît, client-client. Client, on a 36F. Mon client a une marchandise au stock, donc stock de marchandise. Donc, là, ça va, stock de marchandise, elle a un petit F. Mais là, il y a TVB, titre et valeur de placement. Classe ça va, titre et valeur de placement, ce sont les actions, le mode de dialogue, les cambiens, les chéris, les rajouts bien. Donc, on a un petit F. هذا التيتر دو بارتيسيباسيون دو كوفر عام كثر من عام عامين 30 في الشركة الحق هادو كيخرجوا في العام 12 يوم دابا نبيعهم من بعد دونك عندنا تريزوري اكتيف عندنا لاكاس لاكاس عندنا 30000 يمكن نسبقوا لابون حيت لابون كتجي قبل لاكاس من لابون عاد من لاكاس عندنا لابون عندنا لابون 100000 Voilà, comme ça, on connaît le bureau. Donc, à ce moment, le total des lèvres, on détermine ta fête. Donc, tu as le total actif, le total passif. Donc, à ce moment, le total des lèvres actif, on a absolument un tiers de lèvres passif, on n'a pas le capital inconnu, on détermine le capital. Donc, à ce moment, le total des lèvres. Donc, on a machine L, machine 56, sprint, sprint. Il y a 100 000 Donc, vous êtes 300 000 mais certains sont meilleurs pour 65 000 €. C'est-à-dire, certains sont meilleurs pour 65 000 €. Donc, c'est mieux 65 000 €, on va arrêter ma carte. Donc, c'est mieux 65 000 €, on va ressortir. Donc, c'est mieux pour 65 000 €. On a plus 65 000 €. On a plus 5 000 €. Capital, quand même, il est 65 000 €. Donc, capital, il est 65 000 €. Donc on a capital de la banque de A, chaque mois, donc comme ça, il y a un bilan de l'ouverture, donc ça, la séance prochaine, c'est un bilan de clôture,
Aí dos Abra Mara, do canal do de Continua, assim, o canal do CPC, o CPC de Rosital, na terra, na Belão do Clóvis, que é na Rosital, na Farm da Nets, a na Rosital, 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 donc que je canal du CPC alors déjà tes comme CPC je vais me rappeler vidéo musique comme ça sur CPC donc que je canal du CPC on a CPC reprend produit et charge donc et qu'on a là on est là donc pour le faire ça on a forcément produit d'exploitation, donc produit exploitation, produit d'exploitation classe A, classe 7, on a maintenant les charges d'exploitation, on a fait là, les charges d'exploitation normalement classe 6, on a fait là, résultat d'exploitation, tu sais, oui, résultat. D'exploitation. Maintenant, j'ai dit à 9, que ce soit un produit financier. Maintenant, que ce soit les charges financières. Maintenant, juste bien, et puis je vais mettre d'où. Maintenant, c'est un résultat financier. Résultat. Deuxième manière, le résultat d'exploitation, Z résultat financier, yani AZB, la deuxième, c'est un résultat court. Résultat court. Un résultat court. Ce qui marque un arc, c'est un résultat non court. Donc, on a un produit non court qui est de 30-20. Produit non court. Un arc, c'est une recherche non court. Comme ça aussi, les charges non courantes. Donc là, on a produit non courant, parce que les charges non courantes, c'est un résultat non courant. Résultat non courant. Voilà. Et bien sûr, on a tabou à la DSC. On a dit YD. Là, on a C. ZT, 4000. Il y a un résultat courant, ZT, résultat non courant, c'est un résultat avant. Résultat, tu savais, résultat avant. Ample. On a soumis les impôts, c'est un résultat net. Résultat, tu savais. Il y a un résultat avant, on a soumis les impôts, c'est un résultat. Net. Donc ici, le qui est le CPC, donc on a CF. Donc rendez-vous sur la vidéo prochaine avec l'exercice et que comme ce sera un jour, CPC facile. Donc bon courage.